Bonjour, c'est Gary Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Imagine où on fait une torquistique pour aller sur un steamer feu PVP. On peut donc négliger les dommages neutres et la prospection. Et pour le reste, on va essayer de faire un jet exo résistance terre. Minimum 3%. Si on a moins, on tentera un crit de dommage sort. On a 47 de puits ici sur le PO. On va devoir faire des petits overs, ça devrait pas trop mal se passer. Bon, l'item en soi est pas très compliqué à FM, hein, y a pas de soucis particuliers. Il faut que je force le dopou à 22. Voilà, parfait. On va mettre la pas dopou maintenant. Moins 15. Le soin. Aïe. Dommage. J'hésite à faire du double repassage PAPO. Sachant que j'ai deux lignes que j'ai virées. Je vais essayer un petit peu. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai sorti un 4% sur omoplate. Donc on verra. En fait, l'item est presque trop facile à FM, ce qui fait que c'est gênant en fait. On est tout le temps en G-perf sans avoir le puits PA. Je vais voir comment je gère la suite. 97 depuis. Le PA qui tombe plutôt bien. Bon, les deux poux, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être le petit souci de l'item là. 86. En vrai. En vrai. Est-ce qu'on met des deux poux ou pas? Parce que là, il y a moyen de s'amuser un peu quand même. Hein. Là, on est sur un petit 14 tenta quand même. En vrai de vrai, le chat là. Après, forcément, je vais passer un 5% là-dessus, ça va me saouler en fait. On le sait. On le sait que ça va se passer comme ça. Timide, hein, le 3%. Pas de PA. 97 depuis. Alors là, le plan, c'est pas ça. On récupère l'over à la pavie. Bah, super. J'ai 70. Est-ce qu'on met les deux poux ou pas? C'est ça la grande question. La réponse est oui. On va pas jusque-là pour ne pas les mettre en fait. Et eh ben on n'a plus de puits, bah c'est marrant ça. Quel kiff. Pas de PA. 96 de puits. Alors là la vita elle est un peu pénible. On va go comme ça. Ok, c'était la pire idée du siècle. J'ai fait n'importe quoi, fallait que je ravie. Je sais pas, ah oui, puis j'ai fait nimp à l'attentat d'avant aussi, j'avais 30 de puits, j'avais 5 tentes à raise et il m'en restait 2, j'aurais pu avoir le 3%. Je suis un peu fatigué là, je vous prie de m'excuser, je fais un peu n'importe quoi. Là, le call était très simple, c'était ravi, repair, pod, je fais nimp. Bon bref, c'est pas grave, on a 308 du coup. Ok. Bon, ouais, j'essaie de faire de la sorcellerie, ça me fait des trucs chelous là. Mon maraboutisme n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. J'ai eu mon combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Tac. On a combien là? Wow, faut compter les trucs. Oh, le bourbier. Le bourbier. Alors on a plus des pouillèmes, là on n'a rien. Et là on a moins 8, à peu près. Moins 3, ça doit être quelque chose dans le style, bon. Hop. 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 Hop, 28, vas-y une pavie,
Dublini. Mais non, mais c'est pas cool ça. Mais bien, bah forcément. Oh là 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 là. Oh, c'est dur là. Allez, 1, 2, 3, 4, on n'en parle plus. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, je me refocus et à partir de là, on fait des vrais tentages. Là, je suis un peu en train de choke. Ça arrive, c'est pas grave, on se refocus. 95 de puits. Oh, les beaux 24 de pouce, ça régale ça. Bon. Moins 3. Ok. Moins 10. Ok. Crit. Moins 3. Moins 10. Moins 12. Moins 4. 53. Comment ça se fait que j'ai 24 de poule? La bonne nouvelle, c'est que 6 x 8, 48, ce qui veut dire que j'ai 5 de plus en rab. On passe un dopou en crit ou en succès neutre et c'est réglé. Ok. Et c'est les 3%. Pas de PA. 90 de puits, cette fois-ci, les deux poux se présentent pas trop mal. On va go. Pas ça. Nice. Bah, c'est pas mal ça. Oh, c'est parfait. On a moins 9 du coup. Mais attendez, mais c'est une gigatenta. Non! Moins 45. 36. On pourrait forcer Pavipod objectivement, mais. Ça m'a blasé là. Bon, 3% moins 4 vita. J'aurais dû Pavipod objectivement. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits. Je pense qu'on va on va faire le beau jeu là. On va aller chercher le beau jeu. On va Pavi. Ravi. Pod. Allez, là, pas de poux, faut pas que ça troll. Ok, c'est pas mal. C'est une belle tenta en vrai. Oui, 60. Oh, elle est magnifique. Enfin, une belle tenta que j'ai pas complètement trollée. Ça fait du bien. Allez, allez. 3%, full perf. Enfin, pas full perf. Hein. Manque les deux neutres et la PP. Mais perf sur les lignes que je veux. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits. On va go sur la petite Pafo. La question c'est. On met combien de vita? Ok, moins 1. Moins 3. Ouais, est-ce qu'on va chercher le perf vita? Je pense que oui. On va y aller tout de suite. Moins 6. Bon là pour l'instant on a du moins. Si j'ai moins 11 après je pourrais y aller à la pod éventuellement. Moins 10, ok. Nice. Allez on va mettre les deux padopou maintenant. Moins 30, c'est correct. Le soin, la passa. Ouf. Moins 27, c'est dur. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai choke. On a 96, du coup, on refait, on refait. Moins 3, moins 1, moins 6, moins 30, moins 27. Il me reste 27 depuis. J'ai pas grand-chose de faire de spécial. Je peux, j'allais dire tenter une rune prosp, mais non, on peut tenter une. On peut tenter une pacha. Si ça crit. Non. Une. Ok, je peux encore tenter, j'ai moins 6. On peut encore tenter une pacha. Non. J'ai donc 3 tentats à repère. Une, deux et trois. Bah bien sûr.
Et on a le PA. Bah forcément, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. À part que j'ai fait nimp. On va tenter quand même de tuer un dommage sort, ce sera bien. Ça passe pas. On continue. 99 depuis. Bon, on a les deux poux à 21, faut les passer à 22, ça devrait être correct. Voilà, c'est fait. Moins 5, on va mettre la petite pavie. Moins 15. On va tenter un peu de sorcellerie. Moins 5, ok, ça passe pas. Bon, on n'est pas trop mal. La passe à moins 9. La petite païnée qui crit, évidemment. La récrit, peut-être. On a moins 2 plus 1, on a moins 1. Allez, la peau de poux. Nice, moins 15. Ok, tenta un peu plus solide, là on a 54. 54 c'est 9 tantarèses. On aurait pu aller chercher la vita, mais bon, gagner une tantarèse c'est peut-être plus intéressant. Ça se discute. 2. 2%. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Je vais pas accepter du 2%, c'est trop faible. On va mettre systématiquement. Ah oui, attendez, il y a le PO. Faut d'abord mettre le PO. Quoique, en vrai, je vais le remettre après le PO. Ça m'arrange. On va d'abord mettre deux persos et le PO à la fin. Pas de deux persos, voilà, ça me permet d'enchaîner directement en fait sur le FM et d'enchaîner les tentas plus facilement. On continue. 99,4 depuis, belle tenta. Allez, la pavie. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah ça fait super plaisir ça. J'ai hésité à y aller à la ravie. Bah je suis ravi. C'est marrant ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pas faux, deux pas faux, je pense. Moins 3. Hop. Petite deux poux, moins 3, moins 5. J'aurais peut-être dû mettre ça au début en vrai. Hop, ok, on a le crit qui rattrape un peu. J'ai reset mon puits, je fais n'importe quoi. J'avais 99,4, on a moins 30, moins 3, moins 3, moins 25, 38. 38, j'ai 2,4 en rab. Est-ce que je peux croire au fait que j'ai un peu de rab? Et que je peux tenter peut-être une pavie? J'ai envie d'y croire. Ok. Bon, si j'avais un peu de puits en rab, j'ai 6 tantas, sinon j'en ai que 5. Non, j'avais pas de rab. NP, NP, NP. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On met un repair, on espère que ça casse le PA, peut-être. Non, allez, allez, on casse le PA. Non, toujours pas. Le crit, ok, très bien. Le crit dommage sort, peut-être. Non plus. Le soin, ok. Est-ce qu'on casse le PA? On va y arriver. Hein. N'ayez pas peur, la situation est sous contrôle. On casse toujours pas le PA. Toujours pas. Toujours pas. Allez, allez. Ok, bon, on va pouvoir reprendre le FM gentiment. Toujours plus, hein. Toujours plus. Le PA qui saute dans la foulée, on est à 98. Là, il y a potentiellement une très grosse tenta. On a les 25 de poule qui sont restés. Ça régale. Il faut faire le petit over. Sagesse, moins 9, ça passe direct. On va peut-être récupérer sur du Dotaire, non puisqu'on crit, évidemment. L'appât faux, une fois, deux fois, c'est fine. L'over intel, moins 3, on récupère sur les récrits. 1, 2, moins 2. On a 84, c'est quand même plutôt stylé. 84, ça nous fait 14 tentats là-dessus. On va les prendre. Peut-être un 4% qui sort là. 14 tantarèses, c'est quand même pas tous les jours. Là, ça a de la gueule. C'est juste parti. 2, 3, 4e peut-être. 3%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. On n'est pas trop mal en soi. On va venir mettre deux petits repères. Moins 6. Le dos neutre maintenant. Deux poux, pardon. Moins 5. La petite pavie. Moins 12, elles sont capricieuses, les pavis, décidément. Allez, la petite pas de poux, moins 15, c'est ok. La repère, moins 6. On a 53. C'est correct. Est-ce que j'ai un rab? Je pense pas. On va mettre une pavie? Ok.
50. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter de créer une rune chat, peut-être. Voilà, on gagne une pavie qui passe pas. 48, on a 6 tentas. 8 tentas, pardon. 8 tentas raise, c'est parti. 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99,2 depuis. On va commencer par une petite pavie. Moins 3. Vas-y, on peut faire un peu de chimie là, peut-être une ini, into rune stat. Ok. Moins 5, dommage. Petite passa, moins 1. Moins 7, pardon. Moins 27, ça pique. Ok. Moins 3. Bon, après, le reste est fat, la petite padopou. Moins 28. On a 31 là-dessus. On n'a pas grand-chose à gagner, malheureusement. On va mettre 5 repères. Je pourrais tenter le double crit rune chat, mais j'ai un petit doute sur le puits. Donc on va pas forcer. Voilà, je me disais aussi. Bah ça régale, hein. Nice. 97 de puits. Tenta potentiellement intéressante. J'ai rien dit, j'avais pas vu les deux pouces, c'est de la daube. Moins 9. J'ai trollé. Moins 3. Enfin, j'ai pas trollé, juste ils sont pas redescendus par rapport à la dernière tenta. Ok, ça c'est cool. Petite pavie, une fois, deux fois, on a moins 2. Alors pour une fois que j'ai le père Vita, j'ai pas les deux poux. Bon. Moins 10. Bon, en vrai, on peut avoir une grosse tenta qui sort là. Moins 4. On a 69. Ça me fait 3 de plus en rab, il n'y a pas grand chose à en faire. On peut tenter un crit. On peut tenter un crit à la Pacha par exemple. Ok. On a 11 tentas. Pas grand chose de plus à faire là, les deux pouces sont condamnés. 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, on continue. 96 de puits. On va commencer par la pavie. Moins 6. Ça peut faire une belle tenta là, on a des bonnes congruences. Allez, le moins 6 qui sort, c'est vrai, c'est parfait. Moins 3 ici. On a tout ce qu'il faut au bon endroit. Moins 4, allez, elle a pas de poux, on crit peut-être. Let's go! Le soin, moins 10, moins 16. On a une très très belle tenta, on a 67 de puits. Ce qui fait 11 tentas repair. Elle est très belle. Allez, c'est parti. 2%, 3%, 3%, tout le perf sur les lignes dont j'ai besoin. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On va faire. Mince. J'attendais pas ce puits là. Alors attendez, on a combien? On a 2, plus 5, plus 6, moins 9, plus 1,8, plus 100, moins 10. On a 95,8. On va go. 2 poux déjà. Moins 10. Pour la Vita, on va bourriner les ravis. Oh bah let's go! Ok, c'est pas mal. La Passa, moins 9. La Dopu, moins 15. Petite overstat, moins 3. Ok. Moins 3, moins 6. On récupère ici peut-être. Parfait. Moins 6. On a moins 6 également. Le soin. Oh, ça prend beaucoup, moins 20. Les dommages, moins 5. Ça nous laisse 15, c'est pas ouf. On peut tenter une petite pavie. Et deux repères. Une et deux. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 96 de puits, belle tenta ici. J'ai envie de tenter la ravie et de récup à la. Par écrite, c'est le projet. Ok, c'est nul. Dommage, ça se tentait. Si ça passait direct, c'était bien. Alors évidemment, ça crit, on connaît.
Aïe 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 aïe. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. On va go painer si j'ai un moins 16, je suis abattu. Wouah, y'a rien qui passe là. Moins 9, dommage. C'était une très belle tentative de base, mais. Ok. Tac. Moins 3, bon. 54. On a quand même la petite pas de poux à mettre qui passe pas malheureusement. Moins 14. On a 40. J'ai 2 que je peux choper peut-être en crit. En double crit. Ok, on a 6 tentas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 depuis. Bon, on a les deux poux à 20, c'est pas très pratique. On va go ravi. Moins 10. Là, j'ai 29 à virer. Je peux peut-être y aller à la. J'allais dire à la deux poux, mais non, c'est pas ouf. Non, le mieux, c'est genre pas faux. Voilà, moins 16. Voilà, faudrait que je. Enfin, c'est compliqué. En vrai, le mieux, là, c'est une vie pour enlever la force. Voilà. C'était le meilleur call, je pense, pour pouvoir pod. Et on s'en sort comme ça. On va mettre là, pas ça. Moins 18. Je peux récupérer avec un dommage, peut-être. Parfait. Painé, let's go. Moins 3. Le soin, les récrites. On reste 61 là-dessus. Ah, les deux poux risquent de mettre un peu dans la sauce. En vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que les deux poux, je les. Soit je me dis, je les gère comme je peux, j'essaie de les monter, et puis quand ça tombe bien sur 25, c'est bien. Là, je peux les monter à 25, hein. Je peux aller à 22, elle a deux poux, à 25, elle a pas deux poux, mais ça peut me bouffer quand même beaucoup. Je pense que je vais accepter que quand j'ai pas des bonnes congruences. Là j'aurais eu 19, c'était double pas de pouce, c'était réglé, mais comme j'ai 20 là c'est vraiment pénible. J'aurais eu 21 à la limite, j'aurais fait les 22. Mais à 20, on va dire que les tentats à 20, on peut se permettre de s'asseoir dessus quoi. Vas-y, 3% c'est bien. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 depuis. Est-ce qu'on ravit? Bien sûr qu'on ravit. Moins 20. Alors là, le plan, on va être joueur un peu, il me faut un moins 16 et un moins 6. Alors oui. Alors. Ok. Et là, typiquement, il me faut un moins 6, là. Mais j'ai jamais douté de moi une seconde. Incroyable. C'est beau quand ça se passe comme sur le plan. On a du crit en plus, on récupère tout. Non, mais là, c'est la sauce. Hein. Enfin, c'est magnifique. C'est. La séquence, là, c'était une pure dinguerie. Ok. Bah c'est incroyable ça. Repère là. Hop, le crit. Non mais toujours plus en fait. On a 67 depuis. Bon, j'ai dit 22 poux quand c'est 22 poux. On accepte de les laisser comme ça. OSF des 2 poux du coup. Attendez, mais ça c'est 11 tentes à rester, ça je reconnais. Et en vrai c'est incroyable. La gestion de l'over là c'était pixel. Hein. Et peut-être le 4% là-dessus. 3%. Est-ce qu'on pourrait passer le PA là-dessus? Ce serait une masterclass. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce que je peux valider mon G avec le PO? Parce qu'évidemment, il manque le PO. Hein. Est-ce qu'on a le PO sur ce très beau G 3% terre, bon, avec quelques lignes négligées, mais qui reste un très beau G par rapport à ce que je veux. On n'a pas le PO. 97,4 depuis. On va go ravi. Allez! Moins 40. Do! Dommage, j'avais la petite pod et tout, là c'était stylé. J'étais chaud pour aller chercher le perf de poux en plus, mais bon. Elle est ravie quand elles veulent pas, elles veulent pas. J'ai hésité à double pavis, ça aurait pu le faire aussi, mais je voulais le perf vita à tout prix. Alors, à moins qu'on ait beaucoup de réussite sur le reste, là ça va être compliqué. On va mettre quoi? Récrite. Bon bah vu le puits qu'on a, on va oublier les deux poux. Les deux poux, ça va être un peu ma variable d'ajustement en fait, selon comment se passe le FM. Et là je doute qu'on ait beaucoup de restants, hein. 25. On peut tenter. Rien du tout. 4% terre, c'est parti. Bon yes.
Et on a le PA évidemment. Ah oui, mais il y a le PO, c'est pour ça que c'est la sauce aussi. Je me disais bien. Bon, est-ce qu'on a un crit dommage au sort là-dessus? Pas de crit dommage au sort. On continue. Ouais, on est sur le plus PO, là, il vient de ressauter. Bon, on a 43, mais le G, il est resté haut sur le reste. On a juste un deux feux à placer. Moins 10 quand même, c'est dommage. Ça nous fait 33. 33, on peut tenter de crit Pacha. Donc 5% là-dessus. 1%. En soi, je vais mettre le pourcent, enfin, je vais mettre le dommage sort avant le PO en fait. Ce sera mieux dans ce sens-là. Pas de crit. On continue. 99 depuis. On va mettre une pavie. Une ravie. S'il vous plaît, les ravis, arrêtez de me troll. Voilà, moins 13, c'est très bien. Il nous faudra un petit moins 6 de préférence. Let's go, magnifique. Bon, hé, la petite magie là. Let's go. Ok. Ok. Alors, moins 2, moins 6. 1 de chance. Alors, celle-là, on n'avait jamais faite. Mais ça marche, effectivement. Bah, du coup, pas faux. On a du coup moins 1,4. Non, moins 1,6 du coup. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer à la récrite? C'est magnifique. Petit réperfeu. Feu. Allez, on a dit que c'est que quand on est à 20 de pou qu'on fait le fragile. Hein. Là, on a moins 15. Et on est récompensé pour notre bravoure par un crit. 69 là-dessus. On peut tenter un crit à la Pacha pour peut-être gagner une tenta. Ça passe pas. On a 11 tentas sur ce moins invita. C'est plutôt chouette. Allez, ça commence direct 2%. Le troisième, il est où? Il est là, le troisième. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 97 depuis. On va go pas ça. Moins 9. Deux pou. Let's go. Bon, est-ce qu'on va chercher le double pavipode? Compliqué quand même. On va déjà faire les petits overs là. Moins 3. Moins 3. Moins 11. Eh, ça crit bien, il n'est pas de points une fois de plus. 71. En vrai, on peut tenter la pavie. Moins 3, dommage. 68, on a 2 en rab, on n'en fera pas grand chose. On peut tenter double crit comme ça. Non, j'ai moins 4. Réperter. Moins 2. On peut encore tenter double crit. Non. Moins 4. Et non. Moins 2. Il nous reste 9 tentats. C'est dur là. Pas de paire. 85 depuis. Bon, les deux poux, on va pas en parler. C'est parti. Il nous faut la petite pafo, moins 3. Bon, là, on est clairement sur une tenta sans deux poux. Moins 9 pour la sagesse. Moins 3 pour l'intel. Moins 18. Oula, moins 30. Bon, bah, nice, hein. Moins 5. Moins 12. Mais c'est abusé. 5 depuis. Bah super, hein. 96 depuis. Allez, la passe à moins 18. Je dois over vital, j'ai pas le choix. Est-ce qu'on peut tenter de faire des trucs bizarres là? Pas trop. Moins 5, bon. Tant pis, c'est comme ça. Allez, les petits overs. Moins 9. Le recrit, peut-être? Non. Moins 3 pour l'intel. Le recrit? Oui. Le soin qui crit. Le deux feux, moins 5. Il nous reste 58. Allez, on fait pas le fragile, on met les deux poux. Moins 15.
Le cri de Poido qui nous récompense, c'est bien, on a 7 tentes à repère là-dessus. Elle est belle. À part la vita affreuse, évidemment. Par contre, les pourcents raises sont timides, hein. Pas de PA. 97 depuis. Alors, les 24 de poux vont m'empêcher de dormir, mais ça, c'est pas grave, on est à moins 9. Moins 6. Moins 2. Moins 4. Je suis un peu embêté par la Vita pour être honnête. Il nous faut une pavie là. Moins 15. Aïe. Est-ce qu'on peut avoir un petit moins 6? Let's go! Le repère qui crit évidemment. La rune soin. En vrai, on s'en sort pas si mal. On a moins 9. On a 52 là-dessus. Il nous faudrait 2 de puits. J'ai moins 6. Moins 2. Il me reste 7 tentats. Ok, 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Ouais, bon, le prix des orbes, c'est le même prix que le PA en fait. Donc, quand le PA repasse pas, je balance des orbes. Donc, du coup, là, j'ai le PO qui a été remis. Donc, là, le PO saute. On a un G un peu random, j'ai pas trop eu le temps de l'ajuster. On va voir ce qu'on peut en faire avec le PO. Puis, sinon, bah, on repart évidemment sans le PO. Bah, c'est bien ça. Moins 9. Aïe, 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 les problèmes. Le petit crit, let's go. Moins 1. Bon là on peut vraiment pas se permettre de mettre les deux poux. Si je peux gagner un petit... Est-ce que j'ai du rab? J'ai peut-être du rab pour 3%, ouais. 1, 2, 3. J'avais pas de rab. Bon, on repart pas en double puits du coup. Attendez, en vrai j'ai 1%. On peut mettre un dommage sort là-dessus. C'est pas ça. C'est ça. Ça passe pas. On continue. 99 de puits. Bon, les deux poux, évidemment, on peut rien en faire. Donc, on va y aller comme ça. Hop, moins 3. Moins 3. On a du coup moyen d'avoir un gros exorèse. Moins 3 encore. Ok. Ok. Nice. Moins 10. On a 80. C'est pas mal, 80. 80 c'est 78, hein. C'est 13 tintin. J'ai 2 en rab. En sort, on peut tenter le double crit, réfixe. Attendez, on a du coup moins 4. En fait, à chaque fois que je peux gagner une tenta potentiellement avec des séries de crit et que ça me risque pas de me faire perdre quelque chose, je tente. Là j'ai 74. Ok, là c'est dead. Donc là j'ai 12 tentats. Let's go! Est-ce qu'on a un petit 4% qui sort peut-être? Ah, c'est pas marrant. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 46 de puits, encore une fois, on est à l'orbe. Après un PA qui repasse pas. Je m'attends pas à faire des gros exorès comme ça, mais on peut potentiellement avoir. Ok. On peut potentiellement avoir des tentats d'osso sympas. J'ai compté le moins 3 là? Non. On a du coup moins 12. Ok. Moins 2. 23. Vas-y, on va dire qu'on a 24 parce qu'on y croit. 1, 2, 3, 4. Alors. 2%. Est-ce qu'on a le crit de dommage sort? On l'a pas. Faudrait bien que ça passe un jour quand même. Peut-être une pavie, non. Ok, on continue. On continue. 94 de puits. On va go pas ça. Le crit, let's go. La petite pavie, peut-être? Oui. Bon, c'est un bon début. En vrai, bon, on a les 23 de poux. On va se faire un peu bolos.
Moins 6 vita, c'est dur. Ok, là c'était le pire cas de figure. Bon, on verra s'il nous reste 3 de plus à la fin et qu'on peut peut-être tenter de repasser à 300. Et là c'est un peu chaud ce qu'on a pris. Moins 4, moins 3, moins 2. Moins 20. Hop, hop, moins 6. Bon, c'est correct, en vrai 59. Il y a moyen que j'ai un peu de rab, hein. J'ai pas essayé de remonter dans le calcul du puits. Là j'ai moins 1. Là j'ai plus 2. Allez hop, let's go. 10 tentats, c'est parti. Hop là. Merde! J'étais sûr que j'ai. En fait, parce que j'ai les bottes res... Enfin, j'ai les bottes res-feu et la coiffe res-terre. Je me suis trompé dans les. C'était sûr que j'allais finir par me tromper. Je le savais. Bon, bah, 3%. Pas de paire. Si c'était repassé là-dessus, j'aurais pas dormi pendant 2 semaines. Au suivant. Ouais, il s'est passé un truc bizarre. J'ai mis un orbe EP à sauter derrière. J'ai pas fait gaffe. Bon, on a 81 depuis. Let's go, la passa, moins 9. Ok. Allez, allez. Allez, allez, moins 12. J'aurais pu ravi triple pod, hein, mais bon. Là, on n'est pas très large, donc on va y aller gentiment. Ok. Moins 2. Moins 5. Est-ce qu'on peut négocier quelque chose? Moins 6. Moins 10. Moins 20. Le problème, c'est tout le temps, en fait, quand il y a le PO dessus, là, il y a le PO. Il y a tout qui passe moins bien, quoi. On a 13. À 13, c'est 2%. On a 10 terres. Hein. Bah, nice. Et on n'a pas le PA. 97 depuis, l'attentat est colossal. On va go pas ça. Moins 18. Ça nous fait 79. Je me demande est-ce qu'on prend une pavipode. En vrai, là c'est la fête là. Là on a 14 tentas. Juste on se fait plaisir. Les deux poux à 20 c'est stuck, on laisse là. Let's go, je veux voir du 4% là. Ok, 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98,8 depuis. C'est parti, la passa, moins 9. Ok. Est-ce qu'on balancerait pas de la grosse ravie? Bien sûr que si. Moins 10. Et on récupère peut-être sur le repair. À chaque fois, hein. C'est à chaque fois comme ça. Le notaire. Allez, il me faut le moins 5 là. Ah, j'aurais pu mettre la part écrite, ça aurait été mieux. Ça va, je m'en sors bien, j'ai le moins 30 au final. Là, pas faux. Moins 3. La récrite. Une fois. Ok. Moins 8. Moins 5. On a 63. On va tenter le crit Pacha. Donc pour la... Pour les deux poux, en fait, je les monte quand je gère mon item. En dernier par rapport aux autres lignes. Et du coup, les tentats où ça se présente bien, bah on les prendra. Et sinon, tant pis. C'est mon choix. De compromis correct, surtout que c'est un item. En vrai, c'est un item un peu troll. On va pas se mentir. Il est probable que je le joue 3 colis et que je me dise, bon, c'est nul à chier. Donc, bon, on va pas trop forcer non plus. On a eu un crit. Deux crits. Une, deux. On aurait pu avoir le 5% peut-être. En vrai. Attendez, on prend le screen pour mettre sur Twitter, évidemment. Petit 4% là-dessus. Avec deux crits en plus, c'est quand même assez stylé. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. J'ai jamais douté pour le PA, mais par contre pour le PO, je doute très fort. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 96 depuis. La passe à moins 9. Hop. Moins 9 pour la force. Ok, moins 3 pour l'intel. Là,
Là, par écrit qui crit, mais c'est pas mal ça. On a 75. Bon, j'ai cassé le PA sur une poids de poux à 23, hein, c'est un peu sad. Mais c'est le choix que je fais. Si je le laisse à 19, en fait, pour systématiquement aller choper les 25, ça me défonce trop mes tentas. Et comme j'en ai pas non plus ni un besoin ni une envie fondamentale, je préfère me dire j'accepte qu'il y ait des tentas qui soient pas ouf en deux poux. Mais on s'amuse sur les exorès, quoi. Donc c'est parti. 12. Allez, allez, 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 94 depuis. L'attentat est potentiellement belle. On a moins 9. On a moins 3. Ok. Plus 1. Mais c'est pas mal ça. La rune force. Yes. Le petit crit à nouveau. En vrai, dinguerie l'attentat. On est à 21. On peut aller chercher le 22 de poux peut-être. Voilà. Moins 3. L'appât de poux qui passe. Moins 15. On a 65 ici. Je pense pas qu'on ait de rap d'avant. Je remonte un petit peu quand même dans l'historique. Là, on a moins 1, plus 1, moins 1. Moins 1, plus 1. Plus 1. Ah, oh, il y a peut-être moyen qu'on ait un drab en vrai. Ok, il faut que je recompte un peu plus calmement. Quand est-ce qu'ils vont afficher le puits en temps réel qu'on ait plus à se casser la tête comme ça? Du coup, j'ai dit moins 1, plus 1, donc 0. Là, je suis à moins 1. Là, je suis à moins 2. Là, je suis à moins 1. Là, je suis à 0. Et là, je suis à plus 2. J'ai 11 tentats repères, si je me suis pas planté. Toujours un peu bizarre de compter le puits à reculons comme ça. Je les avais bien. Bah, j'ai bien fait d'aller chercher la 11e. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO? Sur ce moins 4 vita, 3% avec quelques lignes négligées, mais les 25 de poux. On a le PO. Eh bien écoutez, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, bien fait d'aller, bien content d'être allé remonter des lignes pour compter mon puits. Et ça passe sur 25 de poux, ce qui fait quand même plutôt plaisir, parce que j'ai eu des tentats où les deux poux n'étaient pas soignés comme ça. Et du coup, on a juste les deux neutres et la prospection de négligés, c'est tout à fait legit. Voilà, c'est toujours un peu fastidieux de faire du FM comme ça en double repassage PAPO, mais je suis plutôt content de ce jet. Bon, dommage pour la vita qui est un peu basse. On a eu des plus belles tentas que ça, mais ça se retryadera s'il faut avec des jets un peu plus fat. Je suis quand même plutôt content de ça, ça me régale. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Tenta PO sur des bottes croquantes, Nirperf, Exo Invo. Pas de PO.